But there is another big project we're working on that I still want to share with you. You won't have to wait long, as I plan to share more news with you next week on June 24th. Bah quoi? Ici, hein? Et oui, comme vous l'avez vu au titre de cette vidéo, on va avoir 5 théories sur l'annonce qui pourrait être faite le 24 juin par Pokémon Company. Tout d'abord, je voulais vous faire un petit résumé de ce qui a été dit durant le direct du 17 juin. Il y a une application de brossage de dents, c'est pour ça que j'ai pris un brossage de dents. Pour les enfants, enfin, vous pouvez le faire si vous êtes adulte, hein, pourquoi pas. D'ailleurs, si vous voulez que je fasse une vidéo là-dessus, allez, pour le délire, 200 likes sur cette vidéo, ce qui n'arrivera probablement pas. Je ferai peut-être une vidéo sur cette application si ça vous intéresse. Sinon, il y a aussi eu l'annonce de Pokémon Café Mix, qui est un genre de puzzle game. Il y a eu aussi New Pokémon Snap, qui est développé par Bandai Namco, qui est beaucoup plus beau graphiquement que Pokémon Épée et Bouclier pour le moment. On voit la différence quand c'est développé par Game Freak et par Bandai Namco. Il y a aussi eu des annonces concernant Pokémon Go. Moi, je m'en fiche, j'y joue pas avec... le Pokémon Go Fest, et aussi l'arrivée des méga évolutions dans le jeu. Alors je sais pas si ça veut dire qu'il y a les Pokémon de la 6G qui arrivent aussi, ou s'ils y sont déjà, je suis pas l'actualité de Pokémon Go, c'est un truc qui ne m'intéresse pas. Ensuite il y a eu l'annonce disant que le DLC était disponible avec possibilité d'avoir Zeraora tout shiny en raid, donc voilà pour les Shiny Hunters. J'espère que ce petit résumé vous a plu, maintenant on va passer aux théories, c'est parti. Théorie numéro 1. Nombreux l'attendent. Le remake de la 4G avec Pokémon Diamant et Perle. C'est une théorie possible et qui est envisagée depuis longtemps. Et personnellement, moi, je l'attends depuis l'annonce de Pokémon Rossa, Ruby Omega et Saphir Alpha. Mais selon moi, c'est beaucoup trop tôt pour qu'on ait des remakes de Diamant et Perle alors qu'Épée et Bouclier viennent de sortir. Théorie numéro 2, les DLC de Pokémon Épée et Bouclier. Et oui, et si cette annonce n'était pas tout simplement d'autres DLC de Pokémon Épée et Bouclier? Et oui! On a eu 2 DLC pour cette première année. Je trouve que le jeu est beaucoup trop jeune pour passer à un autre jeu, tel un remake de la 4G. Peut-être que ces annonces seront 2 autres DLC sur l'année 2021 pour rallonger la durée de vie de ces jeux, de cette 8ème génération. Théorie numéro 3. Les remakes 2G de Pokémon en mode Let's Go. Et oui, c'est une éventualité à laquelle il faut penser, parce que sur l'arrière-plan du PDG de Pokémon qui se nomme Tsunekatsu Ishihara, c'est aussi celui qui a inventé Pokémon. Sur l'arrière-plan, en général, sont glissés quelques indices sur de potentiels jeux qui peuvent sortir. C'est aussi le cas sur les réseaux sociaux avec Junichi Masuda quand il met des photos. Et lorsqu'on regarde le fond de cette présentation, on voit pas mal de Pokémon de la 2G. On voit Ho-Oh, Lugia, Loclas. Bon, Loclas c'est la première génération. On voit les 3 starters, les 3 évolutions finales des starters de la 2G. On imagine qu'il y a Meganium qui est derrière la tête du PDG. On voit les 3 chiens légendaires. Et on voit aussi d'autres Pokémon en haut sur l'étagère de la 2G qui nous font penser à ça. Et en plus de ça, on voit les boîtes, les genres de box de Pokémon Let's Go, Pikachu et Evoli. Donc est-ce que c'est un indice pour nous dire qu'il y aurait un Pokémon Let's Go dans Johto? Ce qui n'est pas totalement impossible, pourquoi pas. Donc à vous de me dire ce que vous en pensez de cette théorie. Oui, c'est seulement basé sur l'arrière-plan de cette présentation, mais voyons. Mais pourquoi pas, soyons fous. Théorie numéro 4. Un Pokémon à la Colosseum. Et oui, c'est aussi une éventualité à laquelle il faut penser. Lorsque l'on regarde ces Pokémon qui apparaissent dans le décor du PDG, ce sont aussi des Pokémon qu'on peut retrouver à 90%, les peluches, on les retrouve en tant que Pokémon obscurs dans les jeux Colosseum ou XD. Alors pourquoi pas avoir un retour de celui-ci? En plus de ça, on ne sait pas pourquoi, en tout cas moi je ne sais pas pourquoi, il y a un Pikachu noir. Un Pikachu qui représente peut-être les Pokémon obscurs. Sachant que les Pokémon obscurs ont refait surface récemment dans Pokémon Go, si je dis pas de bêtises, avec la Team Rocket. Alors moi, personnellement, j'attends depuis longtemps un autre Pokémon à la Pokémon Colosseum. Je vous rappelle, le principe, c'est de capturer des Pokémon, de voler des Pokémon à un dresseur qui a un Pokémon obscur afin de le purifier et de le soigner. Donc pourquoi pas. Après, moi, je n'attends pas un remake de Colosseum, personnellement. Je ne voudrais pas un remake, je voudrais soit une suite, soit un préquel, soit une nouvelle histoire, mais en rapport avec des Pokémon obscurs, pourquoi pas. Voilà, je voudrais quelque chose de nouveau en termes de scénario. Mais voilà, c'est une idée que j'aimerais voir, et qui est pour moi la plus plausible actuellement. Théorie numéro 5.
la surprise. Et oui, ici, ce nouveau projet qui va nous être annoncé était tout simplement un nouveau style de jeu Pokémon que l'on découvre, un nouveau gameplay, un nouveau... Du coup, ce serait un spin-off. Autre chose qui nous change des Pokémon Ranger, Donjon Mystère, Colosseum et j'en passe. Voilà. Si c'était un tout nouveau projet, un nouveau gameplay, un nouveau moyen de voir le jeu Pokémon, pourquoi pas? C'est la surprise, je ne sais pas ce que ça pourrait être. C'est pour ça qu'on va passer à la théorie suivante. Théorie numéro 6, à vous de me dire. Et oui, pourquoi pas me dire ce que vous, vous en pensez. Votre avis est important, je l'attends dans les commentaires. Je n'ai par exemple pas parlé de ce qui était sur l'image en fond du PDG du détective Pikachu. Et oui, il est présent. Alors pourquoi pas nous annoncer un autre Pokémon, genre un détective Pikachu sur Switch, c'est totalement possible. Ou même un... Je sais pas, je vais faire un mix. Peut-être un détective Pikachu qui enquête sur des Pokémon obscurs. Voilà, j'invente. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est vraiment des spéculations, hein. C'est vraiment des théories basées sur pas grand-chose. Mais j'aimerais bien avoir votre avis, sachant que je vous avais demandé quand même il y a 2 semaines, comme quoi j'ai des contacts dans Nintendo et Game Freak, ce que vous pensiez des Pokémon Let's Go. Comment vous les considériez comme des jeux officiels, spin-off, etc. Moi, personnellement, pour moi, Pokémon Let's Go, c'est un genre de remake de la 1G qui reprend des bases de Pokémon Go, donc pour moi c'est un genre de remake spin-off. Pour moi ça fait pas partie de la trame principale, tu peux pas faire des combats, tu XP en capturant des Pokémon, bref, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, quelles sont vos théories, je vous attends, sur ce prenez soin de vous et la bise.